présente Mohamed Saleh, fils d'Ibn Omar Mohamed Saleh, homme politique et mathématicien tchadien, leader du Parti pour les libertés et le développement et porte-parole de l'opposition démocratique. C'est une situation très difficile et d'angoisse indicible. On ne peut pas faire le deuil dès l'instant qu'on n'a pas le corps et on ne peut pas tourner la page. Nous saluons l'adoption en 2006 de cette Convention des Nations Unies pour la protection des personnes disparues, qui est un instrument juridique assez fort et contraignant et qui incrimine les responsables et qui cherche à faire la lumière sur les disparus. Et donc, on appelle, moi personnellement, au nom de ma famille et au nom de toutes les familles des disparus, appelons le Tchad à ratifier cette convention. La disparition de mon père, je pense que ça a touché tout le peuple tchadien au-delà de la famille. Et à travers cette disparition, le président tchadien a eu ce qu'il voulait. Mais nous sommes dévoués à combattre, à continuer, à poursuivre ce combat-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de risques dans ce pays qui est le Tchad là, mais nous poursuivons ce combat-là et nous n'avons pas de peur, nous n'avons pas de crainte. Notre seule crainte, c'est que ce combat soit oublié, etc. Mais nous sommes résolus à poursuivre cette voie-là, à lutter et à faire en sorte que l'arbre qu'il a planté, l'arbre de la liberté, de la démocratie, grandisse. Et que les branches de cet arbre-là puissent protéger tous les citoyens tchadiens qui sont victimes des abus du pouvoir. Et nous voulons que le gouvernement français fasse tout pour que le crime de l'oubli ne s'ajoute pas au crime de l'assassinat. On appelle le gouvernement français à respecter les recommandations, à faire des pressions pour appliquer les recommandations de cette commission d'enquête qui incrimine la garde présidentielle, et c'est ce qu'on attend du gouvernement français. La journée du 30 août, qui est passée journée internationale des disparus, est très importante pour moi dans le sens où après 365 jours, c'est la seule journée où toutes les familles des disparus pensent à leurs proches, ont une pensée. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'ils ne pensent à leurs proches, mais cette journée-là fait converger tout le monde dans le même sens et ça éveille aussi les gens sur cette tragédie-là, et ça permet aussi, je pense, aux gens de lutter encore davantage, de se mobiliser pour cette question-là. Et je pense que cette journée est très importante pour nous et doit être très importante même pour ceux qui ne sont pas touchés, parce qu'il y a un message à travers cette journée-là qui est passé.